Bonjour à tous. Alors effectivement, le clip est très rigolo. Et comme je vous avais passé du Disney il y a 2 jours, il fallait que je compense avec un petit peu de vraie musique aussi. Ça va tout le monde? Bon, je vois que vous avez bien apprécié l'arbre en fleurs. Alors il paraît que c'est très bon pour le moral. C'est scientifiquement prouvé par des neurologues. De regarder les arbres, la nature, tout ça, ça a un effet bénéfique sur votre cerveau. Donc entre 2 cours sur ordinateur, bah, allez dehors, regardez par la fenêtre, et si vous avez un peu de verdure à portée d'œil, bah, profitez-en. C'est scientifiquement prouvé, hein. Il y a eu des tests et tout, ça dégage plein de produits, votre cerveau dégage plein de produits. Donc vous faites un petit shoot d'arbre en fleurs de temps en temps et c'est très bien. Alors, au programme. Je vous ai fait passer une planche d'exercice sur les machines thermiques, mais je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Je vous propose de commencer ces exercices vendredi, donc après-demain. Alors, un peu de temps, ce n'est pas beaucoup de temps, hein. On ne va pas trop tarder après la fin du cours. Donc, vendredi, on fera le premier exercice. Et en attendant, on va commencer le chapitre de cinématique. Je vous ai fait passer également un quiz sur le deuxième principe, que je vous conseille d'aller voir et de faire. On fera des petites statistiques après. Pareil pour la feuille complémentaire sur le second principe, j'ai fait passer hier. Ce n'est pas une feuille complémentaire, hein, c'est un petit problème assez simple. Donc on en reparlera éventuellement, sans doute la semaine prochaine. Prêt pour la cinématique? On y va. Donc on va parler de vitesse, enfin position, vitesse, accélération. C'est ça qu'on appelle la cinématique. C'est comment décrire le mouvement d'un point. Et dans ce chapitre, on ne va pas parler des causes du mouvement. On va juste analyser des mouvements. C'est un chapitre qui va donner des outils pour traiter la suite du cours de mécanique. Alors, déjà, la notion de référentiel. Normalement, ça, ce n'est pas nouveau pour vous. Donc, un référentiel, c'est ce qui indique, ce qui est fixe pour un observateur. C'est le plus important pour vous. Un référentiel doit aussi donner une échelle de temps à l'observateur. Donc, c'est vraiment une notion de physique. Le référentiel le plus commun que vous allez rencontrer, c'est le référentiel terrestre. Si on demande à un enfant ce qui ne bouge pas, il vous dira les murs ne bougent pas. Quand les murs ne bougent pas, c'est le référentiel terrestre. Donc, ça, c'est le référentiel le plus commun. Et dans ce référentiel terrestre, nous, observateurs, on va pouvoir observer le soleil et on voit que le soleil bouge. Il fait un petit tour tous les jours. Il démarre à l'est et il va à l'ouest. Par contre, le sol est immobile. En mécanique, on aura besoin de temps en temps d'autres référentiels, en particulier le géocentrique. Donc, le géocentrique, il sera utilisé pour pas mal de problèmes. Il est là. Donc, géocentrique, ça veut dire qu'il est centré sur le centre de la Terre. Dans ce référentiel, la Terre, enfin, le sol bouge, donc on tourne autour du centre de la Terre et on fait un tour par jour. On tourne autour de l'axe nord-sud. Donc dans ce référentiel, les arbres bougent, même les arbres en fleurs. Dans le référentiel terrestre, les arbres en fleurs ne bougent pas. Dans le référentiel géocentrique, les arbres font un tour par jour. Et le Soleil bouge un peu, mais pas beaucoup. Il fait juste un tour par an. Ensuite, on a l'héliocentrique qui est un petit peu analogue, mais centré sur le centre du Soleil cette fois. Dans ce cas-là, le centre du Soleil est immobile, le soleil est immobile, et la Terre dans son ensemble fait un tour par an. Donc c'est dans ce référentiel qu'on va pouvoir examiner le mouvement des planètes autour du soleil. Le référentiel de Copernic que je vous ai mis en dessous, c'est un référentiel qui sert pas beaucoup, mais il sert juste de modèle. Il sert de modèle pour le référentiel galiléen dont on parlera au chapitre suivant. Et dans ce référentiel, le centre du système solaire est fixe. Je parle du centre de gravité ici, pas du centre géographique. C'est pas très loin du Soleil, hein, le centre de gravité du système solaire. Alors oui, galiléen et terrestre, c'est différent. Galiléen, vous attendez le prochain chapitre, on en reparlera. Ça n'a rien à voir. La définition du référentiel galiléen, c'est pas du tout comme terrestre. En gros, n'importe quel référentiel pourra être considéré comme galiléen, sauf quand il l'est pas. Donc on en reparle au prochain chapitre. Patientez un peu. Sinon, vous pouvez avoir des référentiels beaucoup plus simples. Par exemple, quand vous êtes dans un train, donc véhicule en mouvement, si vous bougez dans le train, vous n'avez pas l'impression que de bouger
par rapport à la Terre. Vous avez l'impression de... Non, je reprends. Quand vous bougez dans un train, que vous allez vous déplacer d'un bout à l'autre du train, vous n'avez pas l'impression d'aller très, très vite. Vous marchez tranquillement. Donc, votre déplacement, vous le voyez dans le référentiel du train. Dans le référentiel du train, les arbres qui sont sur le bas-côté bougent. Ils bougent en sens inverse du mouvement du train dans le référentiel terrestre. Donc, la première chose à faire quand on veut parler de mouvement, c'est indispensable en mécanique, et c'est un peu la morale de ce petit paragraphe, c'est qu'il faut fixer le référentiel. Il faut indiquer par rapport à quoi on considère le mouvement. Donc, des fois, le référentiel, il est un petit peu, il est pas dit en clair. Par exemple, quand c'est le référentiel terrestre, si vous êtes en train d'examiner le mouvement d'une voiture sur l'autoroute, même si vous n'avez pas précisé le référentiel, on devine que c'est le référentiel terrestre. Maintenant, dans les exercices, il est préférable de le fixer à chaque fois. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir en tête, on a vu qu'il fallait toujours définir le système d'études, donc là, ce sera pareil en mécanique, il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va étudier. Mais dès qu'on parle de mouvement, il faut indiquer également par rapport à quoi se fait le mouvement, donc préciser le référentiel. Donc, c'est vrai que quand c'est le terrestre, des fois, c'est un non-dit, pas dit en clair, mais c'est bien d'en avoir conscience, et surtout, c'est bien d'avoir conscience que certains mouvements ne vont pas s'étudier dans le référentiel terrestre. Donc, le référentiel fixe ce qui ne bouge pas. J'ai oublié de dire une chose. Un référentiel, ça fixe aussi une échelle de temps. Par contre, donc je reviens sur le début de la page, les échelles de temps sont toutes les mêmes en mécanique classique. Donc, si on change de référentiel, les horloges vont toujours afficher la même heure en mécanique classique. Contrairement à la mécanique relativiste, où cette fois-ci, le temps dépend du référentiel et le temps ne s'écoule pas de la même manière dans un référentiel et dans un autre quand ils sont en mouvement. Ça, c'est hors programme, c'est la mécanique relativiste. Donc, pour vous, le référentiel, ça sert juste à fixer ce qui ne bouge pas. Alors, dans ce référentiel, on va ensuite faire des études de mouvement. Et pour ça, il va falloir qu'on fixe la plupart du temps un repère. Le repère, comme son nom l'indique, ça sert à repérer, c'est-à-dire à donner des outils, des outils mathématiques pour connaître la position, la vitesse et l'accélération d'un point. Donc, c'est une notion de maths, la notion de repère. Et vous avez plusieurs types de repères possibles. Je vois que j'ai des flèches qui ne sont pas passées à la conversion. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je les rajoute à la main. Alors, c'est marrant parce que je les ai sur un écran et pas sur l'autre. Vous voyez des flèches au-dessus de I, J et K ? Parce que moi, sur l'écran prof, je ne les vois pas et sur mon écran élève, je les vois. Bon, bah écoutez, normalement, il y a des flèches au-dessus de I, J, K. Oui, moi, j'ai que K à l'écran prof. Sur mon ordinateur, j'ai que K. Alors que sur ma tablette, j'ai I, J et K qui ont des flèches. Bon, bah, il y a des mystères sur les flèches. Je ne sais pas. Pourtant, c'est un PDF. Normalement, ça devrait être la même chose pour tout le monde. Oui, sur le cours imprimé, oui, c'est, là, c'est la conversion. Je ne sais pas. Bon, il faut se méfier. Ce n'est pas un copier-coller pour une fois. Donc, une fois qu'on a fixé un référentiel, on va dans un deuxième temps fixer un repère qui va permettre de faire l'étude pratique des mouvements. Donc, les repères, il y en a de plusieurs sortes, mais le premier à fixer, c'est un repère cartésien. Donc, un repère cartésien, il est donné par trois vecteurs de base et un point fixe qui va être l'origine, qu'on appelle O. Donc, c'est O, I, J, K. Ici, repère fixe. Alors, attention, parce que les notations IJK pour les vecteurs de base, ce n'est pas des notations universelles. Dans certains cas, les vecteurs de base peuvent s'appeler UX, UY, UK, UZ. Donc, U, c'est pour unitaire, et X, ça veut dire unitaire selon l'axe X. Et vous avez aussi une autre notation qui serait EX. D'accord. Donc, tout ça, ce serait le vecteur I. Donc, si vous choisissez vous-même le repère, vous choisissez ce que vous voulez. Et si c'est l'énoncé qui vous donne un repère, bah, faudra vous adapter, puisque selon les cas, le vecteur de base sur l'axe OX, il va s'appeler I, UX ou EX. Voilà. Donc, j'ai essayé de varier un petit peu dans l'énoncé, que vous ne soyez pas bloqué sur une seule notation.
Mais c'est vrai que la notation U pour unitaire, elle a l'avantage d'être un peu parlante. Et le E, je ne sais pas d'où vient le E. C'est une bonne remarque. C'est une bonne question, je me la poserai ultérieurement. Donc, vous vous adaptez aux vecteurs de base. Les vecteurs de base, je vous rappelle en notion mathématique, c'est des vecteurs qui ont par définition une norme 1. Et en plus, les repères qu'on prend en physique élémentaire, dit Linda. Mais quelle est la question, Linda? Je ne comprends pas. Ah oui, en effet. Bien vu, Linda. Je pense que le E est pour élémentaire. Bravo. Bon, j'aurais bien avancé dans la suite du cours. Donc, à part I, U et E, je ne vois pas les autres types de notation utilisés. Et ça me fait penser que je n'ai pas d'exemple avec des E. Bon, bah, j'en rajouterai dans des cours suivants où vous aurez des vecteurs qui s'appelleront E, X, E, Y, E, Z. Bon, on va dire que c'est un petit détail, ça. Attention, la notion de base dite directe. Donc, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais la plupart du temps, le repère qu'on choisit, c'est un repère dit direct, c'est-à-dire que les trois vecteurs sont orientés d'une certaine façon l'un par rapport à l'autre. Donc, dans l'espace, pour repérer un vecteur direct, déjà, si vous tenez un stylo de la main droite, vous posez votre stylo et vous regardez votre main droite, et vous essayez de placer vos trois doigts de cette façon-là, c'est-à-dire que vous essayez de faire des angles droits avec vos trois doigts pouce index majeur. Le pouce, vous l'orientez selon I, l'index suivant J, et dans ce cas-là, l'orientation du majeur vous donne l'orientation du vecteur K. Si vous prenez votre main gauche, vous avez un repère orthonormé dit indirect, qui fonctionne aussi, hein, mais l'usage, c'est plutôt de prendre un repère orthonormé direct, donc des axes qui sont comme ça. Après, vous pouvez tordre votre main dans n'importe quel sens, c'est-à-dire orienter n'importe comment le premier vecteur. Vous pouvez orienter votre pouce n'importe comment. Mais une fois que vous avez orienté votre pouce dans une certaine direction, les deux autres doigts, ils pointent dans une direction fixée par la géométrie de votre main. Donc, en pratique, il ne faut pas confondre la notion de repère et la notion de référentiel. Par contre, si vous avez un repère qui est donné par l'énoncé, le repère ici, il est par définition fixe. Et du coup, si vous avez un repère fourni par l'énoncé, automatiquement, ça fixe le référentiel. Donc, si vous êtes dans une pièce ici avec des murs, vous pouvez choisir comme origine n'importe quel coin de la pièce. Et les trois arêtes du mur et les deux arêtes au sol, ça va vous former des axes X, Y, Z. Mais n'importe quel coin de votre pièce peut faire l'affaire, que ce soit au plancher ou au plafond. Donc, dans votre pièce, si elle est carrée, vous avez ici, avec comme axe la verticale et deux horizontales, vous avez huit origines possibles suivant l'endroit où vous fixez le point de départ du repère. Donc, quand on fixe un repère, ça fixe le référentiel. Si vous me dites, voilà, je travaille avec ce repère qui est sur les trois murs de ma chambre, bon, bah, automatiquement, si vous supposez que les murs sont immobiles, ça veut dire que vous êtes dans le référentiel terrestre. Mais c'est pas la même définition. Le repère, c'est des maths et le référentiel, c'est de la physique. Et surtout, dans un référentiel donné, dans le référentiel terrestre, vous pouvez prendre une infinité de repères possibles. Vous pouvez prendre l'origine n'importe où et les axes n'importe comment. D'accord? Comment choisit-on les axes? Alors, il faut bien avoir conscience, je préviens parce que la suite peut peut-être vous mettre ça en doute. Il faut bien avoir conscience que le repère, il est toujours là pour vous simplifier la vie. Donc, on choisit toujours le repère le plus simple, le plus judicieux pour faire une étude. Donc, on ne choisit pas en pratique le repère n'importe comment. On choisit le repère qui va être le mieux adapté au problème qui est posé. Donc, on ne choisit pas les axes au pif. Et donc, maintenant, on va voir la partie assez théorique sur les trois systèmes de coordonnées, donc cartésienne, cylindrique et sphérique, qu'on va voir en détail. Respirez bien à fond, vous allez en avoir besoin. On commence par les cartésiennes. Donc, les cartésiennes, normalement, c'est celles que vous connaissez le mieux. Donc, les vecteurs de base s'appellent donc IJK, UX, UY, EZ, et vous pouvez même rajouter le EX, EY, EZ sur le document, ce que je n'ai pas fait. Le point M, donc dans l'espace, il va être repéré par trois coordonnées, qui sont donc X, Y, Z. Et ça veut dire que le vecteur position, ce qu'on appelle vecteur position, c'est le vecteur OM.
Donc la position, c'est un vecteur. Et vous allez voir que les vecteurs, vous n'allez pas aimer ça. Donc ce vecteur OM peut être décomposé en une somme de trois vecteurs qui seraient x fois ux plus y fois uy plus z fois uz. Donc chaque coordonnée en pratique, vous avez deux versions ici de dessin, une version avec ijk, une version avec les vecteurs unitaires appelés u. Donc chacune de ces coordonnées, en pratique, c'est un produit scalaire. Donc x, alors je n'aurai pas la place de vous écrire pour chaque, mais x par exemple, ça va être, bon, j'efface. Attendez, il faut que je trouve la façon d'utiliser mon stylet de façon optimale. Excusez-moi, je viens de taper sur mon bureau. Alors, x, ah, il ne veut vraiment pas. Hein. Bon, x est le produit scalaire de OM scalaire i. Ah non, il ne veut vraiment pas. Je crois que mon stylet... Alors, j'essaie de le tourner. Bon, ben, je vous fais plein de gribouillis. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont toujours dans le même sens, les gribouillis. Ah, ben voilà, non. Je ne comprends pas parce qu'il lui a rien arrivé. J'ai un chat, mais il n'a pas grignoté le stylet, donc je ne comprends pas. Je n'arrive plus à écrire avec le stylet. Voilà, bon, ben, vous écrivez x égale OM, vecteur OM, scalaire, vecteur i ou vecteur ux, comme vous voulez. D'accord ? Donc, vecteur OM, il est là. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, parce que des fois, vous l'avez vu, des fois, vous ne l'avez pas vu. Quand j'abalade comme ça sous OM, est-ce que vous voyez la petite main qui est en train de se déplacer ? Ah oui, bon, ben, c'est des jours où on voit la souris, des jours où on ne la voit pas. Donc, c'est vecteur OM, scalaire, vecteur i. Et ça, c'est X. Je retourne quand même. Tiens, j'ai changé de couleur, on va essayer de voir. Ah ben voilà. Non, toujours pas. Ah, je ne comprends pas. Hein. Ah oui, s'il y en a qui peuvent écrire avec un stylet, vous pouvez vous tenter le coup. Y, c'est pareil, c'est le produit scalaire OM scalaire J. Et pour Z, c'est le produit scalaire OM scalaire K. Ouais. Il y en a qui arrivent mieux que moi. Ah, il manque le scalaire. Hein. Bon, il faut le faire sur une seule coordonnée. Donc, OM scalaire J pour Y. Oui, je vous rappelle que le produit scalaire, c'est... comment on dit, ça marche dans les deux sens. C'est commutatif, oui. C'est-à-dire, c'est aussi J scalaire OM. Voilà. Et vous écrivez avec quoi, alors ? Je m'entraîne. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la main. Ouais, pourvu que ça dure. Bon, j'essaie de ne pas lâcher mon stylo, mon stylet. On passe à la suite. Ouais, mais si j'écris avec la souris, ça va être pire que tout. Moi, je suis extrêmement maladroite et je sais pas, je dois avoir une trop grosse souris, un trop petit écran. Alors, le truc que vous allez devoir faire souvent, après la position, donc les coordonnées x, y, z d'un point, on va avoir souvent besoin de décomposer des vecteurs dans un repère. Donc là, j'ai fait le topo sur un plan, parce que dans l'espace, c'est moins visible. Donc, le vecteur, attention à la notation, un vecteur, vous devez avoir une flèche au-dessus. Ah, c'est vraiment de plus en plus moche. Mais je ne comprends pas. Ça m'énerve quand je ne comprends pas. Pas vous ? Moi, ça m'énerve. Bon. Je ne sais pas. Donc, un vecteur. Merci à celui qui entoure le F. Alors, entourez pas 36 fois. Donc, les vecteurs, attention, vous devez mettre une flèche au-dessus. Ce n'est pas de la déco, la flèche. Ça a une signification mathématique. Et je vous préviens que c'est le truc qui va vous embêter. Les vecteurs, il va falloir apprendre à vous en débarrasser le plus vite possible. Considérez les vecteurs comme vos ennemis en mécanique. En revanche, il y a pas mal de grandeurs qui sont des vecteurs. Comment se débarrasse-t-on de la flèche sur un vecteur ? Eh bien, en trouvant les coordonnées du vecteur sur les axes de référence. Donc, dès que vous avez des vecteurs, un vecteur, je rappelle, c'est trois choses. C'est trois choses. C'est un sens, une direction, un sens et une norme. Si vous dites la vitesse est de 5 km/h, clairement, on parle de la norme de la vitesse. D'accord ? Un vecteur, il n'a pas de valeur numérique. En revanche, sa norme a une valeur numérique. Donc, on va noter grand F sans la flèche, la norme de
du vecteur qui est ici. Je retente, mais j'y crois de moins en moins. Non, j'ai raison de ne pas y croire. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, ce stylet. Peut-être que mon chat l'a mangé, finalement. Est-ce qu'il y a un truc en mousse Ça a l'air en bon état. Oui, ça marche. Alors, non, ça ne veut pas marcher. Donc, la norme F, ici, sans la flèche, il ne faudra pas la confondre avec le vecteur F avec une flèche. Avec et sans la flèche, ça a des sens très différents. Pour abréger les notations, la norme, vous savez qu'en maths, on a tendance à l'écrire avec la double barre et le vecteur entre les deux. Mais en physique, c'est vrai que la notation avec la double barre et la flèche, c'est quand même lourd. Hein. Du coup, on supprime simplement la flèche, mais on change le sens de ce qu'il y a derrière. Donc, grand F avec une flèche, c'est le vecteur, et grand F sans la flèche, c'est la norme du vecteur F. Et il va falloir vous habituer à ça. Donc, si je reprends un repère ici orthonormé, vous avez le vecteur F qui peut se décomposer en deux composantes qui sont Fx et Fy. Je cherche toujours à écrire, mais je n'y arrive toujours pas. Non, parce que là, ça marche. Oui, Fx, Fy. Ça veut dire que le vecteur F, je le décompose en un morceau comme ça. Ah, c'est moi qui suis en train d'écrire en rouge. Et un morceau comme ça. Les deux flèches rouges que je viens d'écrire, la somme de ces deux flèches donne le vecteur F. Je les ai un peu décalés pour continuer à voir ce qui est là-dessous. Donc, on va chercher les coordonnées du vecteur F dans ce repère. C'est ce que vous avez ici. Donc, les coordonnées, vous pouvez noter, ça s'appelle aussi des composantes. C'est synonyme. Les composantes ou coordonnées, c'est la même chose. Écrit bien en petit. Hop. Donc, composantes et coordonnées, c'est pareil. Et les composantes du vecteur F, la première s'appelle Fx. Donc, le Fx qui est là, vous ne lui mettez pas de trait au-dessus, de flèche au-dessus. Fx et Fy ici, vous n'avez pas de flèche. Par contre, vous avez X et Y en indice. C'est important la notion d'indice. Si vous mettez x à la même altitude que f, on comprend, parce qu'on est bête, f fois x. Et x, c'est une coordonnée d'espace. Donc, c'est f indice x. On va passer un petit peu de temps sur les notations, parce que c'est vrai qu'il faut bien les respecter. Donc, le x et le y ici sont en indice. Et si on regarde le cosinus alpha et le sinus alpha, donc ici, alpha, vous avez cet angle. Donc, c'est un angle orienté, il est là. Non, excusez-moi, je n'ai pas pris le bon outil. Là, c'est moi qui n'ai pas pris le bon outil avec la souris. Voilà. Non, mais il ne veut pas le faire. Hein. Voilà. Donc, alpha, je viens de l'encadrer en bleu. C'est l'angle, attention, qui est orienté entre le vecteur i et le vecteur f. Si vous regardez cosinus alpha, c'est égal à fx sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, sa norme, c'est norme de f. Donc, cosinus alpha, c'est fx sur f sans flèche. On isole fx qui vaut f fois cosinus alpha. Sinus alpha, c'est côté opposé ici, c'est fy sur l'hypoténuse, c'est f tout court. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais il y a un truc qui est interdit, c'est de diviser par des vecteurs. Si vous mettez un vecteur, donc un truc avec une flèche au dénominateur, c'est une horreur mathématique, vous arrêtez ça. Enfin, vous n'avez pas encore commencé, mais ceux qui sont tentés, ne le faites pas. Donc, j'ai perdu les flèches. Alors, j'ai perdu les flèches sur le i et le j qui sont là. Alors, vous avez ici une... Non, alors je ne dessine pas au bon endroit. Hop. J'essaie de dessiner avec la souris, mais ça ne marche pas très bien. Donc, le vecteur f s'écrit fx fois i vecteur i plus fx fois j vecteur j. Voilà, c'est mis à deux et c'est ça. Donc, normalement, vous aviez des flèches sur votre document. Là, elles n'apparaissent pas à l'écran. Je ne sais pas pourquoi. C'est le même mystère qu'à la page précédente.
Et donc, fx et fy, c'est des composantes qu'il va falloir savoir écrire sur n'importe quel vecteur orienté de n'importe quelle façon. Alors, on y va. Donc ici, vous avez alpha qui a un angle orienté et c'est l'angle à partir du vecteur unitaire i. En dessous, vous avez une version avec des angles qui ne sont pas orientés et qui sont orientés toujours à partir de i, mais qui ne sont pas compris entre 0 et pi sur 2. Sur le schéma qui est en haut à droite, l'angle alpha, il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, on va voir les quatre cas de figure, donc les quatre orientations du vecteur possible. Le vecteur ici s'appelle A. Premier cas de figure, ici, c'est le même cas de figure que le dessin qui est ici sur votre document, c'est-à-dire un angle alpha qui est compris entre 0 et pi sur 2. Dans ce cas-là, les deux composantes sont positives. Cosinus alpha et sinus alpha sont tous les deux positifs. Donc pour un vecteur orienté comme ça, avec des vecteurs de base qui sont à côté, ce vecteur-là, qui est encadré, il a deux composantes positives. Attention, quand ce n'est pas cette orientation. Donc ici. Là, j'ai mis un cadre bleu sur celui qui est... Non, ça a l'air de marcher. Sur les deux écrans, j'ai la même chose. Donc ici, ça ne s'appelle pas alpha, ça s'appelle θ, mais je n'arrivais pas à le lire. Donc il s'appelle θ à l'angle. Cette fois-ci, il est compris entre pi sur 2 et pi. On le prend toujours à partir du vecteur i. Dans ce cas-là, ax est inférieur à 0, parce que cosinus de cet angle est négatif. Donc, la composante AX est négative et effectivement on voit je crois que c'est revenu. Bon. Bah oui, le son a coupé. Si le son a coupé pour moi, c'est que vous ne m'entendiez pas non plus. Hein. J'ai vu que j'avais... Mais ça s'est reconnecté, tout va bien. Donc, cas de figure numéro 2, AX est négatif. Par contre, pour un angle compris entre pi sur 2 et pi, sinus θ est toujours positif. Donc, AY est positif. Ce qu'on voit graphiquement, hein, ça, c'est cohérent. Alors, cas de figure numéro 3, ici. Cas de figure numéro 3, l'angle θ, quand vous le comptez à partir du vecteur i, deux possibilités. Vous pouvez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, dans le cas de figure, je vais tenter de dessiner avec la souris, ça va être très moche. Dans le cas de figure que je vais repasser en bleu ici, on tourne dans le sens positif, voilà. Donc ici, θ va être compris entre pi et 3pi sur 2. Mais si vous tournez dans le sens qui est en dessous, donc le sens négatif, ça revient à avoir θ compris entre moins pi et moins pi sur 2. C'est la même chose, hein, c'est période 2pi. Donc l'intervalle pi, 3pi sur 2, c'est pareil que l'intervalle moins pi, moins pi sur 2. Dans ce cas-là, les deux grandeurs trigos, là, le sinus et le cosinus, sont tous les deux négatifs. Et effectivement, le vecteur A pointe en direction opposée à la fois I et J, enfin, plutôt en direction opposée à I et J, les deux composantes sont négatives. Et enfin, dernier quart ici, hop. Donc ici, vous avez l'angle θ qui vaut... Là, j'ai pris l'intervalle dans le sens négatif, de moins pi sur 2 à 0. Si on le prend avec une valeur positive, c'est-à-dire en tournant dans l'autre sens, donc je vous dessine l'autre sens possible. Donc à partir de i, si vous voulez aller jusqu'au vecteur a en tournant dans le sens trigo, ça fait ça. Voilà, j'ai réussi. Cet angle-là, ce serait θ compris entre 3 pi sur 2 et... 2π. Donc c'est le même intervalle. Dans ce cas-là, le cosinus est positif, ça veut dire que ax est positif.
et le sinus est négatif, AY est négatif. Dans tous les cas, vous avez donc la formule générale quand θ est l'angle à partir du vecteur I et quand c'est un angle orienté, peu importe le sens d'orientation. La composante AX est A cosinus θ et la composante AY c'est A sinus θ, A étant la norme du vecteur. Donc à chaque fois dans les composantes, on va retrouver la norme fois sinus ou cosinus. Donc ça, c'est quand θ est bien donné par l'énoncé comme un angle orienté à partir de x. Alors, problème en mécanique, la plupart du temps, quand vous avez des angles à considérer, bon, c'est des angles tout bêtes hein, qui vont être par rapport à une verticale ou une horizontale, et en pratique, c'est des angles compris entre 0 et pi sur 2 et absolument pas orientés. Ils ne sont pas orientés et ils ne sont pas non plus à partir de l'axe OX. Donc ça peut être un angle par rapport à n'importe quel axe possible. Donc ici, vous avez un cas de figure qu'il faut absolument savoir refaire. Je vous ferai passer une feuille où vous pourrez vous entraîner. Mais on va regarder dans ce cas de figure ici les composantes AX et AY, enfin des vecteurs qui sont dessinés en rouge, en fonction des angles qui sont dessinés sur la feuille. Les angles ici ne sont pas orientés, ils s'appellent θ, alpha, bêta, gamma. Ils ne sont pas orientés et ils sont indifféremment par rapport à l'axe vertical ou par rapport à l'axe horizontal. Donc, à titre d'entraînement, on va regarder les composantes. Alors, comme j'écris et qu'on n'a pas beaucoup de marge pour écrire, je vous écris AX sur le même niveau, mais en fait, c'est A indice X. Donc, A indice X ici. Donc, j'en suis au premier cas. Hein. Donc, premier cas, c'est celui-ci. Vous avez... Ah, je n'arrive pas. Ça y est. J'étais en train de maltraiter ma souris et elle râlait. Donc, dans ce premier cas, j'ai un angle θ, la composante AX. On va réfléchir d'abord sur son signe et ensuite si elle met en jeu le sinus ou le cosinus. Si on regarde sinus θ, c'est cette direction-là. Cette longueur-là, oh là, elle est un peu tordue ma longueur, mais bon, c'est presque un trait droit. Donc là, j'ai dessiné en bleu le côté opposé, et l'hypoténuse, c'est toujours la norme du vecteur. Donc sinus θ fait apparaître la composante AX. La composante AX ici, on regarde la tête du vecteur, et ce vecteur, manifestement, il a une composante positive. Donc AX, c'est égal à plus la norme A, fois le sinus. Je mets pas θ, j'ai pas les lettres grecques hein, sur mon truc, donc vous pouvez le rajouter vous si vous le faites à la main. Enfin, vous devez le faire à la main, mais j'ai pas les lettres grecques et j'ai peut-être écrit un peu petit. Alors ax, je l'agrandis aussi. Hop. Voilà. Merci pour le θ qui est là, je peux l'attraper. Oui, on va le mettre là. Hop. Et je ne peux pas faire de copier-coller là-dessus. Donc pour cette la composante x, pour la composante AX, on a un plus, c'est positif. Et c'est plus A, la norme, fois le sinus de l'angle θ qui apparaît sur le document, qui n'est absolument pas l'angle θ orienté précédent. Pour la composante AY, donc on regarde AY. AY, AY, ça apparaît sur le dessin, ça fait apparaître le cosinus de l'angle θ. Si vous écrivez cosinus de l'angle θ, à ce moment-là, ce cosinus est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et c'est le côté adjacent qui est égal à plus AY. Donc on a plus A fois le cosinus. Je ne vais pas confondre les deux. Bon, et je ne vous mets pas le θ, ça fera l'affaire. Donc pour le vecteur A, voilà ses composantes. Il a deux composantes qui sont positives, c'est plus la norme fois le sinus du côté x, c'est plus la norme fois le cosinus du côté y. Ça va pour le vecteur A ? Encore plus fort, on passe au vecteur B. Alors, vecteur B,
s'intéresse à ce cadre-là. Donc ici, on va avoir deux composantes aussi à exprimer en fonction de l'angle alpha. Si vous regardez le vecteur B, on peut connaître à partir de l'orientation du vecteur le signe de chacune des composantes. Pour la composante BX, pardon, c'est bien une composante positive. Il va dans le même sens que I. Si je décompose le vecteur, je vais avoir ce vecteur B qui est égal à ça. Non, je me trompe d'outil. Voilà, donc le vecteur B, c'est ça. Plus ça, je dessine deux vecteurs ici en bleu, très moche, qui permettent de décomposer le vecteur B en deux morceaux. Donc le vecteur qui est collinéaire à l'axe OX, il est bien dans le même sens que I. Donc côté BX est positif, par contre du côté BY c'est négatif puisque le vecteur vertical, il va en sens inverse de J. C'était le plus clair comme ça. On écrit les composantes du vecteur B, donc je les écris en haut. On va avoir BX et BY. Pour BX, on voit que ça fait apparaître le sinus. Si on fait, pardon, c'est le cosinus. Ah, on peut se tromper. L'angle alpha ici, si vous prenez cosinus de l'angle alpha, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le côté adjacent, c'est bien celui qui est dans le même sens que OX. Donc pour BX, c'est plus la norme B fois le cosinus de l'angle alpha. Et pour BY, attention au signe, c'est négatif. Et si vous faites sinus de l'angle, vous avez bien la composante verticale. Donc je vous réponds juste après. J'ai fini de taper ça. Donc moins, puisque c'est négatif, la norme fois le sinus de l'angle. Alors, question de Lucien. Pourquoi parle-t-on de AX et AY alors que les vecteurs de base sont I et J? Mais ça n'a rien à voir. Les trucs qu'on appelle A indice X et A indice Y, c'est des composantes de A selon I et J. C'est-à-dire que le vecteur A, c'est AX fois I plus AY fois J. Donc, il n'y a aucun rapport entre les deux. Ben, si, il y a un petit rapport, c'est les projetés. Et AX, c'est aussi le vecteur A scalaire, le vecteur I. Donc pour le vecteur B, attention au signe. Ici, vu son orientation, la composante BY est négative. Et on voit que c'est le cosinus de l'angle du côté X et le sinus de l'angle du côté Y. Si tout va bien pour le vecteur B, après, c'est un petit peu pareil pour les autres. Donc on s'intéresse maintenant au vecteur C. Là, on change de crémerie. Donc, allons-y sur le vecteur C. Le vecteur C, le dessin nous donne un angle qui s'appelle bêta et qui est par rapport à la verticale et il n'est pas orienté. Vu la tête du vecteur C, est-ce que tout le monde voit bien que les deux composantes sont négatives? C'est-à-dire qu'il pointe, si on le décompose, je vais tenter de le dessiner en deux morceaux. Donc, si je décompose le vecteur en rouge en deux vecteurs en bleu, c'est un vecteur comme ça. Finalement, je ne me débrouille pas si mal avec la souris. Voilà, donc le vecteur en rouge, c'est la somme des deux vecteurs que j'ai dessinés en bleu. Le vecteur que j'ai dessiné ici horizontal, il a une coordonnée x qui est négative. Et le vecteur que j'ai dessiné en vertical, il a une coordonnée en y qui est cette fois-ci positive. Donc si on... Alors, je reprends mon texte. Si on regarde la composante selon X, est-ce que ça fait intervenir le sinus ou le cosinus? Vous pouvez aussi le tourner dans le sens. Si j'écris cosinus bêta, est-ce que ça fait intervenir la composante CX ou la composante CY? Alors, les réponses sont en faveur du sinus. Donc effectivement, si vous faites sinus bêta, ça fait intervenir la composante Cx. Donc on va avoir Cx égale, attention, on regarde d'abord le signe, c'est négatif, moins, c'est la norme C fois le sinus, effectivement.
Pour la composante, c'est Y. Alors, c'est écrit en tout petit. Ça va, vous arrivez à lire ou vous voulez que je l'agrandisse? Vous pouvez zoomer, hein. Parce que sinon, moi, j'écris en petit. Et après, chaque morceau, il faut que je l'attrape et que je le dilate un petit peu. Donc, c'est un peu plus long. Alors, pour la composante CY. Donc, CY, on regarde d'abord son signe. Son signe, c'est plus. Et ça fait intervenir le cosinus. D'autres termes, si vous écrivez cosinus de l'angle bêta, ça fait bien intervenir la composante verticale, donc suivant Y. Et enfin, le petit dernier, donc le petit dernier ici. Voilà. Donc, pour ce vecteur qui s'appelle D, on a un angle gamma par rapport à la verticale. On va avoir, alors vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez décomposer le vecteur en deux vecteurs collinaires aux axes. Donc, ce serait celui-ci vertical qui descend, plus celui-ci horizontal vers la droite. Donc, d'après ce petit schéma, on voit que le vecteur D, sa composante suivant X, elle est positive et suivant Y, elle est négative. Ensuite, il faut regarder à quel endroit on a le sinus et à quel endroit on a le cosinus. Ah, je viens de me déconnecter. Si je vous quitte quand même, c'est dommage. Non, je me suis déconnectée comme élève. Je vais me reconnecter. Hein. Voilà. Donc, vous avez ici, si on prend le cosinus de l'angle gamma, cosinus gamma, c'est le côté adjacent qui est vertical sur l'hypoténuse. Donc, le cosinus est en rapport avec la composante selon Y. Du coup, mes deux composantes dx et dy, dx égale dx, on a dit qu'elle était positive, donc on met un signe plus, et c'est la norme d fois le sinus de l'angle gamma. Et pour la composante dy, donc dy, on regarde son signe, c'est négatif, on met déjà le signe moins, on a la norme fois le cosinus. Si vous faites cosinus de gamma, c'est bien en valeur absolue dy sur d, donc cosinus. Alors, à retenir absolument de ce type d'exercice. Déjà, vous devez savoir faire ça. Il faudra vous entraîner. Je vous ferai passer une petite feuille avec plein de vecteurs et puis vous verrez comment les décomposer. Enfin, si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Hein. Donc, vous devez retenir que pour chaque vecteur, les deux composantes AX et AY, eh bien, elles sont toujours de la forme un signe, une norme et soit un sinus, soit un cosinus. Vous devez regarder soit, enfin, vous regardez déjà à part si c'est un plus ou un moins, et vous regardez aussi à part si c'est un sinus ou un cosinus. À chaque fois, s'il y a un sinus d'un côté, il y a un cosinus de l'autre. Alors, le fait que là, les angles que j'ai pris ici, c'est des angles non orientés, hein, Clarisse. Mais la plupart du temps, vous avez des angles qui ne sont pas orientés en mécanique. On vous dit, voilà, on a un plan incliné qui fait un angle alpha avec l'horizontale, et puis c'est tout, ce n'est pas un angle incliné. Et pour l'angle orienté de la page précédente, là, c'était un norme fois cosinus pour x et un norme fois sinus pour y. Et ça marchait dans tous les cas. Sauf que les angles qui sont compris entre pi et 3pi sur 2, c'est pas très courant, c'est pas intuitif. Si je vous dis ça fait un angle de 272 degrés, c'est pas intuitif ça. Les angles qu'on donne comme ça à l'oral, c'est des angles qui sont compris entre 0 et 90 degrés. Donc les exemples d'avant, c'était un angle orienté par rapport à I, dans ce cas-là, la formule fonctionnait à tous les coups. Et ici, vous avez des angles qui ne sont pas l'angle orienté. Mais si vous voulez, on va rajouter l'angle orienté précédent, celui qui marche à tous les coups sur chacun de ces schémas. J'ai retrouvé mon stylet. Donc, effectivement, on peut le faire ici. J'étais dans un coin. Hop. Donc, ici, je vous mets sur chacun de ces schémas l'angle qui précédemment s'appelait. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelait précédemment.
Il s'appelait comment? Il s'appelait Theta. Bon, c'est pas de chance, il y en a déjà un qui s'appelle Theta ici. Donc, je vais rajouter en bleu l'angle Theta précédent, celui qui avait, qui permettait d'avoir les composantes AX, c'était plus A cosinus Theta, et AY, c'était plus A sinus Theta. Donc, on commence par la fin. Hop, je teste, oui, ça marche. Donc, l'angle Theta, c'est celui-ci. D'accord? Ici, l'angle Theta, c'est celui-ci. Ah, ça y est, ça recommence. Hop, j'essaye avec. Donc, merci à celui qui l'a fait en bleu. L'angle θ ici, c'est celui-ci. Et l'angle θ ici, c'est celui-ci. Et pour les angles qui sont dessinés en bleu ici, donc qui sont des angles orientés, dans ce cas-là, on va avoir à chaque fois le vecteur à une composante en x qui est la norme fois le cosinus de l'angle en bleu. Et ça correspond exactement à ce qu'on a fait avant. Suivant les cas, dans le cas numéro 1 ici. Donc dans le cas numéro 1 qui est ici. Je voulais faire un rectangle, mais je me suis trompée de forme. Donc dans ce cas numéro 1, l'angle θ précédent, c'est pi sur 2 moins le θ ici. Donc effectivement, on inverse le sinus et le cosinus. Donc l'angle en rouge, c'est le complémentaire de l'angle θ de la page précédente. Ça va vous arriver à suivre là, parce que ça fait beaucoup d'informations, hein. C'est juste deux façons de décrire la même chose. Dans le cas numéro 2, l'angle en bleu, c'est moins l'angle en rouge. Du coup, vous avez les signes moins qui apparaissent quand vous prenez le sinus et le cosinus de l'angle orienté. On a bien le cosinus qui est positif et le sinus qui est négatif. Donc, on retrouve la même chose. Dans l'exemple numéro 3, vous avez... L'exemple numéro 3, c'est celui-là. Voilà. L'angle en bleu, c'est pi sur 2 moins bêta. Et dans l'exemple numéro 4, l'angle en bleu, c'est moins le complémentaire de alpha. Donc, c'est moins, entre parenthèses, pi sur 2 moins gamma. J'ai dit alpha, mais c'était gamma. Bon, ça, ça mérite d'être vu en détail. Il faudra vous entraîner parce que ça reviendra souvent. Mais il faut vous préparer à vous entraîner à décomposer des vecteurs sur des axes. Et l'objectif, c'est de supprimer la flèche. La seule façon de supprimer la flèche des vecteurs, c'est de décomposer les vecteurs sur des axes qui ont été, on va dire, judicieusement choisis. Et à chaque fois, si l'angle alpha n'est pas orienté, bah vous avez dans une composante le sinus, dans l'autre le cosinus, et le sine, bah c'est à voir en fonction du schéma. J'ai oublié de vous dire, mais alors en mécanique, il y a un truc qu'il faut faire impérativement, ça s'appelle un schéma. On ne travaille pas en mécanique sans faire de schéma. Alors, petit truc à la fin, quand vous avez décomposé votre vecteur, il est bon de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé entre le sinus et le cosinus. Et pour ça, le plus rapide, c'est de faire un essai dans le cas où alpha vaut 0 ou alpha égale 90 degrés. Donc, vous regardez. Si l'angle alpha qu'on vous donne vaut 0 ou 90 degrés, bah si vaut 0, le cosinus vaut 1, le sinus vaut 0, vous regardez si ça colle. Dans ce cas-là, le vecteur est parallèle à un des axes, et donc vous regardez si c'est l'axe OX ou l'axe OY. Vous regardez quelle composante vaut plus ou moins 1 et quelle composante vaut 0. Donc vous pouvez vérifier à la fin pour un angle soit 0, soit 90 degrés, soit les deux si vous avez vraiment des doutes. Vous vérifiez que ce que vous avez écrit n'est pas... est cohérent. Vous avez un garde-fou à la fin. Vous avez un garde-fou pour le sinus et le cosinus, pas pour les signes. Donc ça, c'était les coordonnées cartésiennes. Donc c'est celles que vous connaissez mieux. Petit b, on va voir en détail les coordonnées polaires. Alors, est-ce que vous avez déjà vu les coordonnées polaires dans votre passé, plus ou moins lointain? Est-ce que coordonnées polaires, ça vous dit quelque chose? Bon, ben c'est bien si ça vous dit quelque chose. Donc, on y va pour... Donc, les coordonnées polaires, c'est dans un plan. Les coordonnées cylindriques, c'est dans l'espace. On commence par les coordonnées polaires dans un plan. Donc, avant de parler de coordonnées polaires, déjà, la première chose, c'est de se fixer un repère cartésien. Donc, il faut déjà avoir le repère OIJ précédent. On est dans le plan, donc deux axes suffisent. Donc ici, vous avez un axe OX et un axe OY. Pour définir un point
il faut à chaque fois deux coordonnées dans un plan, x et y en cartésienne. En polaire, on va définir deux autres coordonnées. La première s'appelle petit r et c'est la distance entre le point M et l'origine. Donc petit r, c'est la distance au M. J'en suis ici. Tiens, ça marche le stylet. Donc petit r, ça varie entre 0 et plus l'infini et ça définit un cercle. Donc petit r permet de donner un cercle de centre O. Et ensuite, pour situer le point sur le cercle, on a une deuxième coordonnée polaire qui s'appelle θ. Enfin, peut s'appeler alpha d'ailleurs. Donc c'est un angle orienté, c'est cet angle-là. Bon, c'était déjà très bien écrit sur le document, donc je rajoute une couche. Donc ici, c'est bien l'angle orienté et c'est celui qui avait deux pages avant pour les coordonnées. Ah, je suis en train de reperdre la connexion sur mon iPad. Non, je reviens. Non, je le perds. Non, je reviens. Bon, on ne sait pas. Donc, si on a la valeur de R, ça définit un cercle de centre O et de rayon petit r. Et ensuite, sur ce cercle, la valeur θ vous permet de fixer un point. θ, c'est le même pour toute une demi-droite de centre O. D'accord ? Ah, ça y est. On est reparti avec un... Je ne sais pas si on vend des stylets dans les magasins. Voilà. Donc, je le repasse ici. L'angle θ, il fixe une demi-droite de centre O. Donc, tous les points qui sont sur cette demi-droite ont la même valeur de θ. Petit r fixe un cercle et la réunion, enfin, l'intersection du cercle et de la demi-droite, ça donne bien un point unique. Donc, dans les coordonnées polaires, il y a une valeur numérique, enfin, il y a une valeur, distance, petit r, et une valeur d'angle. On va déjà voir les relations entre les coordonnées. Donc, petit r, c'est la distance OM et on peut le décomposer par en racine carrée de x2 plus y2. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, avec x et y, on peut avoir r. Ensuite, on avait vu précédemment x, c'est r fois cosinus θ et y, c'est r fois sinus θ. C'est les coordonnées du vecteur OM, x et y. Donc, x et OM indice x. On l'appelle x tout court. Donc, effectivement, si vous faites cosinus θ, sur l'exemple qui est donné θ est compris entre 0 et pi sur 2, mais c'est général, et vous avez dans ce cas-là le r cosinus du côté x et le r sinus du côté y. Ou alors, vous isolez sinus θ et cosinus θ. Un angle, on l'obtient à partir de ces composantes trigonométriques, et pour les angles orientés, il en faut deux. Donc, il faut le sinus plus au moins un signe pour l'autre terme. Donc là, je vous ai mis deux schémas. Un schéma avec des vecteurs i et j et un schéma avec x et y, avec ux et uy. Et vous avez aussi sur le schéma numéro 2 la façon d'écrire les coordonnées. Alors, c'est un peu lourd. Normalement, on écrit juste les coordonnées sous forme m. Les coordonnées, c'est r et θ en polaire. Donc, on met m parenthèse rθ, comme en cartésienne, on met m parenthèse xy. Et en pratique, quand on étudie un mouvement, ça veut dire que le point, il bouge, donc chacune des coordonnées dépend du temps. Donc ici, vous avez r de t et θ de parenthèse t. Ça veut dire que chacun de ces termes dépend lui-même de t, le temps. Pareil pour x et y. Hein. On peut écrire x parenthèse t, ça veut dire que x dépend du temps. Ça va bien ? Alors, c'est à partir de là que ça va aller plus mal. Donc, on va. Donc, au départ, on a une base dite fixe qui est la base IJ ou UX, UY. Ça, c'est un truc qui ne bouge pas dans le référentiel. Quand on est en coordonnées polaires, on va travailler avec des vecteurs de base qu'on appelle la base locale. Base locale, comme son nom l'indique, elle dépend de l'endroit où on se situe. Cette base locale, elle est constituée de deux vecteurs unitaires qui sont orthogonaux. Ils s'appellent UR et Uθ. Et attention, UR, ça dépend de la position. Donc UR, pour le fixer, il faut déjà que le point M soit positionné. Et ensuite, il est dans le prolongement de OM et dirigé vers l'extérieur. Donc on a OM ici, qui est égal simplement à R fois UR. OM est collinaire et dans le même sens que UR. Et sa norme, c'est petit r.
Une fois qu'on a UR, on peut en déduire Uθ en rajoutant un angle plus π sur 2. Il est très moche le π d'ailleurs, alors c'est un π ça. C'est un pis-aller, hein. Si on place le point M à un autre endroit, donc ici, si on place le point M, par exemple, je vais tenter de faire un schéma en rouge, hein, ce n'est pas garanti. Donc, si le point M est ici, voilà, à ce moment-là, le vecteur UR, il est défini à partir de cette droite que j'ai mis en rouge. Et pour avoir le vecteur UR, il est dans le prolongement du point M et il a une norme 1, je viens de le mettre en bleu, et le vecteur Uθ, il est orthogonal. Donc si le point M bouge, les vecteurs UR et Uθ bougent aussi. Donc attention, ça s'appelle une base locale et c'est défini en chaque point. D'accord ? En chaque point de l'espace, les vecteurs UR et Uθ sont définis. Et donc si le point bouge, les vecteurs aussi. C'est ça qu'on appelle local. Attention, la difficulté de la base locale, c'est qu'elle bouge et donc elle dépend du temps. Si le point bouge, la base bouge aussi. Coordonnées cylindriques, eh ben écoutez, c'est tout pareil, sauf qu'il faut une troisième coordonnée. Donc dans l'espace, je vous avais dit que je ne vous avais pas mis d'exemple avec des ER, etc. Alors si, j'en ai mis là, mais c'était pour les vecteurs de la base locale. Donc on part du repère cartésien précédent. Et à partir d'un point M, on peut déjà construire son projeté orthogonal sur le plan X ou Y. Là, ça y est, ça repart. C'est la fin de l'heure, remarquez, c'est normal. Donc, dans le plan X ou Y, on peut donner les coordonnées polaires du point H, c'est R et θ. Et la troisième coordonnée, en cylindrique, on garde la coordonnée Z. Donc, les coordonnées cylindriques se déduisent des polaires, sauf que c'est les coordonnées polaires, non pas du point M, mais du point H qui est le projeté de M sur le plan X ou Y. Donc, deux coordonnées de type polaire, R et θ, plus la coordonnée numéro 3, qui est la coordonnée Z inchangée. Voilà. Donc, je vous laisse reprendre ça à tête reposée, bien comprendre comment on décompose les vecteurs. Et demain, on poursuit sur ce cours-là. Ce sera que vendredi qu'on fera la feuille d'exercice. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.